Salut les cinéphiles de la toile et joyeux Noël! Ho ho ho! Bienvenue dans cet épisode 17 de Pépites de Cinoche. Aujourd'hui, on va parler d'un film qui ne vieillit pas et qui fait toujours autant plaisir à voir. J'ai nommé Maman, j'ai raté l'avion! We wish you a Merry Christmas! Réalisé par Chris Columbus, le réalisateur des deux premiers Harry Potter, Maman j'ai raté l'avion sort en 1990 sur les écrans, écrit par le génial John Hughes. Pour ceux qui ne connaissent pas John Hughes, c'est un réalisateur et scénariste qui connaît un immense succès dans les années 80. Il s'illustre avec de très bonnes comédies pour ados, comme 16 Candles ou Une créature de rêve, qui sera adapté à la télévision avec la série Code Lisa et deux films absolument majeurs, The Breakfast Club et La folle journée de Ferris Bueller. Jamais vulgaire, jamais outrancier, les films se distinguent par leur justesse et leur précision dans la peinture de l'adolescence. John Hughes a l'idée de Maman j'ai raté l'avion sur le tournage de son film Uncle Buck dans lequel il dirigeait déjà Macaulay Culkin. Il écrit le scénario et le confie à Chris Columbus. Chris Columbus commence lui aussi sa carrière comme scénariste. Petit protégé de Steven Spielberg, il participe à l'écriture des scripts de Gremlins, Les Goonies et Le secret de la pyramide. Il passe à la réalisation en 1987 avec le film Nuit de folie et en 1988 avec Heartbreak Hotel, qui sera un échec considérable. John Hughes lui confie malgré tout la réalisation de Maman j'ai raté l'avion, dont il restera producteur. Macaulay Culkin y tient le rôle principal. Columbus s'entoure d'un casting 5 étoiles avec Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O'Hara, John Hurt et John Candy. Maman j'ai raté l'avion plante très vite le décor, les fêtes de Noël, les suburbs américains, une famille nombreuse. Parmi toute cette meute de personnages en effervescence qui courent partout pour préparer leurs valises, Columbus s'attarde sur deux en particulier, un flic qui cherche à discuter absolument avec les propriétaires et un jeune garçon nommé Kevin. Avec un montage en parallèle, le réalisateur nous dit implicitement que ces deux-là vont se confronter d'une manière ou d'une autre. Avec un ton plutôt humoristique, le film présente très vite les enjeux, un jeune garçon espiègle qui se chamaille avec ses frères et sœurs. Grondé par sa mère, il finit par dormir tout seul au grenier. Du coup, on l'oublie le lendemain, alors que tout le monde est en retard pour prendre l'avion. Home alone. Seul à la maison, quoi. La force de Maman j'ai raté l'avion, et le fait qu'il reste année après année toujours aussi culte, c'est d'abord son esthétique purement 80s. Mais surtout, sa peinture des fêtes de fin d'année. Toute la magie de Noël est parfaitement restituée. Cela passe par les décors, sapin de Noël, boule de Noël, etc., les costumes, et bien évidemment la musique. La partition de John Williams est généreuse à souhait et collectionne les morceaux d'anthologie ainsi que les reprises de certains chants de Noël. De même, Chris Columbus s'amuse à citer ses illustres modèles au détour d'un extrait. C'est le cas avec La vie est belle de Frank Capra qui passe sur une chaîne à la télé. Un film sur la magie de Noël, forcément. Tout cela assaisonné à la sauce 80s qui ravit toujours autant les fans rétro. On s'attache à la légèreté du ton ainsi qu'au monde des suburbs américains. Un décor qu'on le retrouve très souvent dans les productions de cette époque. Pour résumer brièvement pour les trois du fond qui n'ont jamais vu Maman j'ai raté l'avion, le jeune Kevin McAllister est resté tout seul à la maison pour les fêtes de Noël, alors que ses parents, qui l'ont oublié, passent le réveillon à Paris. Mais deux cambrioleurs un peu nigauds veulent s'introduire dans sa maison. Kevin va devoir la défendre coûte que coûte. Pour cela, il imagine les pires pièges possibles. Poignées de porte brûlantes, pots de peinture accrochés à des cordes, etc. Le film, qui jusque-là était resté plus ou moins réaliste, bascule dans le cartoon pur, avec ses pièges tous plus dangereux les uns que les autres. Les voleurs prennent très cher, mais tout cela reste inoffensif. Mais très exagéré, ce qui rend les scènes comiques. Les réactions de Harry et Marvin après les coups qu'ils prennent ne sont jamais réalistes. Elles sont surjouées, provoquant les rires du public enfantin qui se délecte de leur malheur. Malgré une mise en scène correcte, mais efficace, Maman j'ai raté l'avion reste un film très bien construit. Avec un scénario bien ficelé, des personnages hyper attachants campés par des acteurs irréprochables. On a l'impression de connaître la famille McAllister depuis des années. On les aime. Le film s'autorise des petits écarts, et peut se voir également comme un faux conte de Noël. Kevin souhaite que ses parents disparaissent tous et voit son vœu exaucé. Il se produit un événement magique, comme dans un conte, mais uniquement de son point de vue, car le jeune spectateur sait très bien que la raison est toute logique. On retrouve un procédé similaire pour traduire la peur bleue qu'a Kevin de sa cave. Le réalisateur fait basculer l'espace d'une séquence, le film, dans le fantastique, mais toujours du point de vue de Kevin. Le spectateur sait que c'est du chiquet. Impossible de ne pas parler de l'interprétation de Macaulay Culkin qui est absolument excellent. Avec sa petite bouille d'ange, il ajoute de la malice à un personnage déjà haut en couleur.
Casse-cou et ingénieux, il cristallise la liberté totale qu'on voulait avoir quand on était gosse. Celle de faire de la luge dans l'appartement, de manger des glaces autant qu'on voudrait, de regarder des films violents sans que nos parents nous l'interdisent. Une belle vie qui ne dure qu'un temps, car Kevin comprend très vite qu'il va devoir grandir s'il veut se débrouiller seul en attendant le retour de sa famille. Celle-ci se fait attendre alors que Noël approche à grands pas, un moment où on est en famille justement. En plus, il doit défendre sa maison tout seul. Sans véritablement traiter du passage de l'âge adulte, Maman J'ai raté l'avion suit l'évolution de son personnage qui finira par regretter son souhait et qui découvrira l'importance de la famille et l'amour qui l'accompagne. Le film sera un immense succès en salle et en VHS. Il consacrera sa jeune star Macaulay Culkin qui reprendra son rôle dans sa suite directe, mais beaucoup moins réussie, Maman J'ai encore raté l'avion. Suivront d'autres séquelles, sans Culkin et totalement raté, ainsi que des ersatz tels que Denis la Malice. Qu'à cela ne tienne, le film de Columbus reste toujours, malgré des années, un petit classique du film pour enfants et de la comédie familiale. Voilà, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez plus, commentez, likez, partagez, donnez-moi votre avis sur le film, ça m'intéresse. Bien sûr, abonnez-vous à la chaîne Back to the Sable et pensez à activer la petite cloche en haut à gauche, comme ça vous serez au courant de nos dernières vidéos. Et si vous souhaitez me soutenir davantage et laisser un petit quelque chose, vous pouvez consulter ma page Tipeee, vous trouverez le lien en description. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine avec un autre numéro de Pépites de Cinoche, autre film, autre style. Allez, bisous. Tes joyeux Noël! Ho ho ho! Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on your troubles will be miles away.